Bienvenue à la piscine Molitor pour une revue maillot de bain pour hommes sur mesure, s'il vous plaît, signée Roland Chaillard. Roland Chaillard est un jeune entrepreneur comme on les aime. Il ose et il faut de l'idée pour se spécialiser dans ce secteur, le maillot de bain sur mesure pour hommes. Alors le maillot de bain sur mesure, c'est arrivé, c'était une demande d'un de nos clients. Nos clients en général, ce sont des personnes habituées au palace, là où nous sommes vendus. Et un jour, un de nos clients me demande de faire un réajustement sur la longueur de son costume de bain. Ce monsieur est devenu un tout petit peu plus pointilleux. Il m'a demandé si je pouvais faire quelque chose parce qu'il voulait mettre en valeur le galbe de ses fesses. Et bon, bah, petit à petit, de fil en aiguille, je suis arrivé à faire du sur-mesure parce que voilà, la demande était là et a été faite. C'est ainsi qu'est né le costume de bain smoking avec ceinture de satin stretch. J'ai démarré en tant que modéliste spécialisé dans le prêt-à-porter masculin, donc toute la garde-robe masculine. J'avais travaillé pendant une douzaine d'années dans une maison de prêt-à-porter haut de gamme. Je m'occupais de l'homme. Après, j'ai fait un petit tour chez Balenciaga, toujours en tant que modéliste, et aussi plusieurs collections chez Jean-Paul Gaultier en tant que modéliste homme. Et il me manquait quand même quelque chose. De créer des maillots pas comme les autres. Les acheteurs des palaces ont vu nos produits, nos créations, mes créations. Ils sont tombés sous le charme très rapidement. Et donc voilà, on se retrouve aussi, encore une fois, à travailler avec des grands noms hôteliers. On ne peut pas se permettre de se relâcher parce que justement, ce sont des grandes pointures et il faut toujours leur montrer que nous sommes à la hauteur et qu'on est là et on tient à garder notre place là, à leur côté. Déjà, je prends les mesures du client, je lui fais une première toile, donc prise de rendez-vous, il vient au showroom ici, il l'essaye et là je lui fais des retouches sur lui. Après ça, une fois les retouches terminées, je recoupe une deuxième toile de vérification, il doit revenir l'essayer pour que ça tombe vraiment à la perfection. Et une fois que c'est validé, je coupe dans le tissu et je confectionne, je le monte ici. Moi, je ne l'appelle pas un maillot de bain, pour moi, c'est un costume de bain. Tout au démarrage, à chaque fois que je pense à un costume de bain, je pense à une création quelconque, je pars toujours du costume masculin. Donc je reprends toujours tous les détails du costume masculin, tous les détails tailoring, tous les, voilà, les petites finitions, les petites choses très raffinées. Je démarre de là et après j'arrive à le rendre un petit peu plus sport selon les thèmes des collections, plus chic aussi avec le smoking et c'est pour ça que je l'appelle le costume de bain. Aller à l'eau, ce n'est pas que pour le show-off, on peut aussi se baigner avec.